Nous voici pour la deuxième ronde de la saison en Italie au Grand Prix d'Imola. Alors que Cornet va profiter d'une sortie rapide en piste pour prendre le 10e temps de la Q1 avant que la pluie vienne chambouler les temps des pilotes. En Q2, Cornet réalise un bon temps tout près de Kimi Räikkönen qui est en 10e position. Toutefois, une perte de contrôle a mis fin aux espoirs du Québécois de passer en Q3. Avec les deux Red Bull en première ligne, que va-t-il se passer au premier tournant? Et c'est parti, les feux s'éteignent. Qu'est-ce que Cornet peut-il faire comme magie ce coup-ci au Grand Prix d'Imola en Italie? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Accident au tabarnak, de gros accident. Oh, qui est impliqué à travers tout ça? On voit justement du cockpit de Captain Cornet qu'est-ce qui s'est passé. Oh, quelqu'un l'a frappé par derrière. Oh, et après ça, l'inévitable. Oh, je pense avoir vu Markella, le coéquipier de Cornet, alors qu'on voit Yuki Tsunoda maintenant. Oh, le contact, c'est de sa faute et il ne pouvait complètement rien faire. Il a été détruit. Et justement, en parlant de Markelov qui, ouf, victime. Totalement une victime de la situation. Valtteri Bottas, lui, comme, oh, quelle vue! Il a passé tout près d'être impliqué dans l'accident, mais en est sain et sauf. Et qu'en est-il de Sébastien Vettel? Même chose, et le coup de la voiture de Cornet, incroyable. Évidemment, la voiture de sécurité est demandée et Cornet peut quand même retourner sur la piste. C'est un arrêt inévitable pour Capitaine Cornet qui doit changer au complet son aileron avant et il va pouvoir par la suite rejoindre les autres monoplaces derrière la voiture de sécurité. C'est Max Verstappen qui est le leader du Grand Prix alors que Cornet se retrouve complètement en dernière place. Troisième tour pour voir le drapeau vert être affiché. Et c'est reparti alors qu'on voit Cornet qui, dès le départ, attaque Ricardo qui lui aussi avait eu un dégât à son aileron. Il est en mode attaque alors qu'on voit de la voiture de Kimi Räikkönen que Cornet gagne des places. Il est très agressif. Et encore une fois par l'extérieur, il dépasse la voiture suivante et il dépasse les deux Alpines. Oh mon Dieu, que ça a passé proche d'être un autre accident. Quelle vitesse de Cornet! Quelle agilité et quel courage. Et pendant que ça se bat devant lui, Cornet rattrape petit à petit les voitures qui sont devant. Et il va en profiter également pour faire un move, pour faire un geste par l'intérieur sur As. C'est la voiture, je pense, de Mazepin. Et maintenant, il est en poursuite contre Aston Martin pendant que les deux Red Bull sont loin devant en première et deuxième place. Et Lewis Hamilton qui arrête au puits. Un problème avec un aileron, probablement, pendant que Cornet est en 12e place. On voit Carlos Sainz au 5e tour qui attaque la McLaren de Lando Norris et un contact. Il se retrouve dans le bac à sable, malheureusement. Pendant ce temps-là, Sébastien Vettel essaye de résister à Cornet. Et c'est un échec. Cornet est devant. Et il est en 10e place. Pour dire DRS, Cornet s'est rapproché de Valtteri Bottas et dès le premier tournant, va l'attaquer et il va gagner la position. Ouf, que c'était proche. Et ce n'est pas fini pour Valtteri Bottas qui combat avec Vettel. C'est une lutte très chaude qui permet à Cornet de s'échapper. Et Cornet qui continue sa mode attaque. Et oh, c'est la Williams de Nicolas Latifi qui... Oh, par l'intérieur, mais c'est très serré. Très, très serré. Cornet remporte la 8e place. Pendant qu'on voit Valtteri Bottas qui arrête au puits pour changer son aileron. Contact avec Vettel. Malheureusement pour certains, au 10e tour, c'est un arrêt obligatoire au puits pour changer l'aileron avant. Ça scrape une course en esti, ça. Au 13e tour, c'est à Cornet d'aller changer ses pneus pour passer à des pneus hard. Donc c'est avec ça qu'il va pouvoir terminer la course. Mais quand il ressort des puits, il est en 11e place, il a perdu des positions. Pendant ce temps-là, les deux Red Bull... Combien? Sain et sauf, premier et deuxième, alors que Charles Leclerc est en troisième place.
Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Verstappen arrête au puits? Oh, l'aileron endommagé. Quelle déception. Verstappen ressort en 10e place derrière Ricciardo et Cornet qui est en 8e. Au 19e tour, alors que Verstappen attaque Cornet. Chaude lutte. Alors que Ricciardo veut s'en mêler, il veut s'ajouter. Un beau trio pour le premier tournant. Cornet résiste alors qu'on voit Verstappen arrêter au puits. Quelle tristesse. Et oh, Ricciardo arrête au puits également, mais lui c'est simplement pour changer ses pneus. Pendant que Verstappen, lui, c'est son aileron. Oh, c'est une Ferrari qui a un problème moteur. C'est la Ferrari de Charles Leclerc qui est en 3e place. Malheureusement, doit abandonner au Grand Prix d'Imola. Ça fait en sorte que Cornet se retrouve en 6e place. Nous voici avec l'hélicoptère de Cornet pour ETB, alors qu'on voit Fernando Alonso perdre complètement le contrôle de sa voiture. Et Carlos Sainz qui l'accroche. Ouf, que ça passe proche d'être un carambolage. Et oh, qu'est-ce qui se fait de se passer? C'est Kimi Raikkonen qui entre en collision avec Fernando Alonso. Quel accident monstre! On revoit justement du cockpit de Fernando Alonso la perte de contrôle. Ouf! Et le contact tout de suite après. C'était tellement dangereux. Carlos Sainz qui, malheureusement, encore une fois, n'a pas le meilleur Grand Prix du monde. Et oui, Kimi Raikkonen qui, lui, a foncé complètement dans Fernando Alonso pendant qu'on voit Valtteri Bottas passer tout près, encore une fois, d'être impliqué dans un accident. Ouf! Quel choc! Ça aurait pu être dangereux pour Fernando Alonso qui est sain et sauf. Évidemment, la voiture de sécurité est encore déployée, alors que Cornet se retrouve derrière les deux Aston Martin. C'est Sergio Perez qui mène la course. Ouvert n'aura lieu qu'au 25e tour et Cornet est immédiatement en mode attaque contre l'Aston Martin. Et évidemment, il ne veut pas s'arrêter là. On voit la voiture de Mazepin qui est le drapeau bleu. Et Cornet qui attaque ensuite une autre Aston Martin et il la dépasse. Il fait d'énormes gains alors qu'on voit justement la voiture de Pierre Gasly qui, ouf, qui on a vu comment Cornet a foncé. On voit le top 5, Sergio Perez, Lando Norris, Gasly, Cornet et Stroll. 28e tour, Norris attaque Perez dès le premier tournant et c'est très serré. Oh, il y a contact, Perez a accroché Lando Norris qui justement démontre son mécontentement. Il y a sûrement des dégâts sur la voiture de Perez. Alors qu'on voit Cornet qui se défend contre Lance Stroll. La Aston Martin essaie de toute manière de attaquer la voiture de Cornet F1 Team, mais ce sera un échec. Malheureusement pour Perez, c'est l'arrêt au puits inévitable. Nous sommes presque à la fin du Grand Prix, alors que Lance Stroll a sa dernière chance pour attaquer Cornet. Mais c'est un échec, il va même perdre une position contre Hamilton. Cornet se retrouve 3e. Et c'est terminé. Lando Norris remporte son premier Grand Prix en carrière, alors que Pierre Gasly termine en 2e place. Quel Grand Prix pour ces deux jeunes pilotes. Et que dire de Captain Cornet, qui termine 3e pour un 2e podium d'affilée. Wow! Excellente performance, super! J'étais un peu inquiet au début du week-end, mais tu t'en es bien sorti. Merci pour tout. Nous avons assisté à un Grand Prix extraordinaire. C'est McLaren qui l'emporte aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui selon vous leur a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui? La prudence était de mise pour remporter la course. Le rythme a été soutenu tout au long du week-end, mais la fiabilité des voitures a aussi joué un rôle déterminant. La moindre anomalie aurait suscité de l'inquiétude pendant les dernières phases du Grand Prix. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Victoire de Lando Norris devant Pierre Gasly, Captain Cornet, Lewis Hamilton, Sébastien Vettel et Max Verstappen, qui, on l'avoue, aurait pu gagner le Grand Prix s'il n'avait pas eu un contact avec son coéquipier. Plusieurs abandons, mais que voulez-vous? Amère performance pour Valtteri Bottas et Sergio Perez. On voit d'ailleurs beaucoup d'ailerons avant qui ont été changés au courant de ce Grand Prix d'Imola. C'était assez intense comme Grand Prix. Oh si,